Oh, il y a moyen qu'il me tanque ça en vrai. Hein. Non, ça va. J'ai menti. Parce que ça s'est beaucoup arrivé, ça aussi. Hein. Les Léo qui font skill 2, proc skill 1, plus de Lucian. Ah bah super. Hein. Bien joué. 22% de chance de perdre la game. Ok, je pense que je prends ça ou pas? Il est fou, le 280 speed. Après, il est peut-être en Swift, non? Après, il joue du Léo et tout, je pense pas que c'est du Swift, si. Ah, quoi, je vais quand même pas prendre le risque en vrai. Ce serait con. Ah, il me prend une attaque, donc je pense pas qu'il était rapide. Mais bon, on sait jamais. Il est d'office en Némésis. Faut pas que je le tape du coup. À part pour le tuer, quoi, forcément. Salut! J'ai oublié de faire ça. Hein. J'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre malheureusement. Il est en wheel. Hein. Donc le Léo, c'est un peu moins grave, on va dire. Anti-Léo là. Est-ce qu'on se fait un petit racket anti-Léo là? Toujours un Ken. J'ai envie de tester le racket en vrai. C'est quoi? Je pense que je banne sa sustain. Allez, racket! Montre-leur! Yoramus, comment tu vas? T'as une chance, il n'a pas pris de Douglas, Taspic. Ouais, mais après, là, j'ai de Moore. Hein. C'est complètement différent. Hein. Moore gère Douglas. Ouais, normalement, le Xianlong ne cut pas, donc c'est fine, je peux le faire. Là, je fais ça. C'est qui le plus chiant pour Rakan? Je pense que c'est elle parce qu'elle va beaucoup cycler. Je vais la reset aussi. Là, on fout le silence. Boum. Là-dessus. Ah. Oh, il casse les couilles ce proc. Il fait trop mal ce proc. Ok. Oh, ça meurt pas quoi. Obligé de la tuer. Prochain tour, j'ai mon si je m'en sors avec Rakan. Si on tempo ça, on est bien. Petit break def. Ok. Voilà. Ça, c'est mon Rakan, ça. Ça, c'est mon Rakan, ça. On se retape le Sierra Oberon. Échirobéron, cette fois-ci. Va prendre un truc feu anti-Léo, mais j'ai ban Oberon, je pense. Je vais prendre Ken, je pense.
Banishir, non, parce que la VHL haute speed, je pense, Mathiane, l'ID 24. En gros, il met son meilleur Swift sur la VHL. Je prends la défense. Si j'avais une Tiana à plus de 130, je le ferais, mais elle est pas si rapide que ça, ma Tiana. Donc son lead speed, il peut mode speed. YouTubeBR, comment tu vas? Là, je laisse faire son petit combo, là. Où il one shot le Shang Pong, j'imagine. Mais derrière, le Ken peut gérer normalement. Il tente le Ken? Non, il peut pas. Hein. Go Ken, hein? Je pense que je vais même skill 2 ici. On a rien absorbé. Hein. On va quand même pouvoir tuer ça. Enfin, on a surtout rien absorbé sur la VHL, mais sinon, en reste, ça va encore, quoi. Bon, ce qui me dérange un peu, c'est que maintenant il est anti-Léo le Ken, donc bah forcément il va pas beaucoup jouer. Il faut juste que je récupère mon skill 3 avec lui. C'est donc comme cela. C'est pas de chance. C'est pas de bol, bah là on le récupérera pas du coup. Dommage. Bien joué. Il fallait le voir, hein, s'il te plaît. Il fallait le voir. Lien du jeu, bah point d'exclamation jeu du coup. Et merci beaucoup Bella pour ton sub, merci beaucoup frérot, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une bonne journée. En fait j'ai oublié de skill 3 parce que sinon mon Ken ne rejouera pas avant, parce qu'il est trop lent. Vu qu'il est anti-Léo forcément. Ah j'ai pas à cause de ce slip. Hein. Là j'aurais pu skill 3, skill 2, je one-shotais ça à la limite. Malheureusement. Ouais, je dois quand même faire ça. Mais quand même, il y a de bons petits dégâts, hein, mine de rien. Bon petit proc. Ça faisait longtemps. On devrait quand même gagner ça, non? Là, elle perd ses buffs. Normalement, la Athéna joue avant, là. Petit crit. Allez, ça dégage. Est-ce qu'on force ou pas? Vas-y. Y'a pas de Véromos Carnal ici au moins. Le lead HP 44%, il aide, hein, clairement. Je pense que j'ai quand même joué Carlos parce que c'est quand même pas mal contre. À mon avis, ça c'est en Swift pour les Glancing toute ma team. Mais y'a un monde où il me banne quand même Neftis et j'ai plus de lead speed et il mode speed avec ça. C'est quoi, je vais la ban, on sait jamais. Ok. Bah là, je speed et je défonce tout avec Carlos, non? En vrai. Tu fais pas solo Juno? En vrai, Juno, normalement, je peux les gérer. C'est pas facile, mais normalement, je les gère. Et là, je vais le défoncer, non? En vrai. Je pense. J'arrive à se faire sévèrement Carlos, là. Hein. Tuer ça direct. Tout, je retue ça. Je dismount ou je vais sur la Vanessa? Je pense qu'il y a moyen que je la tue là, non? Je la tue. Je dismount. J'aurais limite pu tuer la nana en fait. C'était plus safe. C'était encore plus safe. J'ai pas trop compris pourquoi il m'a ban Bastet. C'était étrange. Mais pourquoi pas, hein?
En fait, il a plus de chance de mettre ses dots, quoi. Je vais faire ça comme ça, je pense. Non, en vrai, je vais quand même faire ça. Je pense que j'ai pas le choix. Oh, ça va être chiant à taper, ça. Putain. Ça va être relou à taper. Ce qui est upset, en gros, c'est le taux d'activation potentiellement des dots aussi. C'est pas bien expliqué dans le passif, mais ça a été testé et ça fait les dots aussi. Je pense que je suis obligé de le faire. C'est un peu chiant, mais je suis obligé. Ok, ça va au moins il cut ici, c'est pas mal. La double revenge. Mais normalement, là, la Tiana tue tout. Hein. Ouais, Tiana va clean up là. À voir. Goki Ragdoll, ça dégage. Juno, c'est chiant. Parce que déjà, Ragdoll plus Juno, c'est chiant à cliff quand même, bon. YOLO, hein. Neliat, quand tu as? Tu as un diplôme Twitch, c'est suffisant. Ouais, je suis partenaire Twitch, mec. Partenaire Twitch, c'est tout ce qu'il faut. J'aime pas trop les musiques YouTube où t'as genre 5 minutes d'introduction. C'est trop chiant, en vrai. Ah bah là... Bah là, Goluchen, hein. Pas te mentir... Je pense que le Egang, il a un petit peu copium, quoi. C'est quoi comme métier? Streamer YouTuber, là actuellement. C'est ça mon métier. Enfin, c'est genre créateur de contenu ou je sais pas quoi. J'ai quand même pris les speed au cas où il y a un truc qui est super rapide. J'ai pas Spotify, non. J'ai pas pris un abonnement. Et ton vrai métier? Ta mère. Tu l'as entendu celle-là ou pas? Ok. On est bien. Ça m'arrange pas spécialement. J'ai pas vraiment envie de crit trop là. Oh, un proc labé là-dessus. En plus, on proc sur. Il tente le stun. En vrai, il a raison. En vrai, il a raison de tenter le stun. Mais non, c'est pas passé. Monstre de fou à Belio. Ouais, bien vu. Se fait pas. Yoati, comment tu vas? C'est que j'ai pas les trucs de fou de runer quoi. Parce que là, si je veux cliff CC, j'ai que ça quoi en fait. J'ai pas de... Il faudrait que je me build un Poséidon et tout, mais j'ai la flemme. J'ai trop la flemme en fait. C'est ça le problème. Comme une envie de faire des frag movies, de fou hein. En vrai, de fou hein. Et c'est pour ça que je les mets dans mes playlists, ces musiques là. Ça me rappelle trop des trucs comme ça. A fait une vidéo sur lui, je crois. C'est possible. C'est possible. Je pense qu'il a fait une vidéo de House. Le problème, c'est que j'ai rien qui vraiment solo sa compo en fait. Si je prends Ushir, je pense pas que ça suffit, non? Là, il ban Changpeng du coup. Et du coup, c'est pas censé suffire. Ah, quoique, j'aurais quand même pas mal d'absorbe. Il ban Oliver. Ah ouais?
Ok, je pense que ça me va. Est-ce que c'est une Tiana anti-mour? Du coup, j'aurais boost et réduit KTB avec Treat. Non, ça peut pas être une Tiana anti-mour. Ou alors il y a une Tiana à plus 240, tu vois. Mais du coup, non. Ah, je pense qu'il fallait me ban Xiangpeng ici. J'ai peur que tout ça soit ultra rapide, du coup je préfère faire ça comme ça, en bannissant Let's Speed. Ça m'étonnerait qu'il soit super lent en prenant le 33 direct. Enfin, ça se trouve c'est le cas, mais je sais pas. La time gate de zinzin, t'as vu ça ou quoi? Ouais, il ban Let's Speed en plus, donc à mon avis il est rapide. Il y a moyen qu'il mode speed même à Tiana, c'est possible en vrai. Qu'il soit en full swift, Molong, Icarus. C'est un peu cheesy, mais j'accepte. Me cheese comme ça, j'accepte, hein, c'est comme ça. Mais du coup, non. On va essayer de Lucian, hein, alors. On va full Lucian, du coup. Bah, je pense qu'il est mort. Hein. Il n'y a que la Juno qui peut potentiellement me solo. Mais même la Juno, il y a peu de chances qu'elle me solo, je pense. Ouais, elle a l'air vachement tanky, hein. Oh, il y a moyen qu'il me tanque ça, en vrai. Hein. Non, ça va. J'ai menti. C'est vrai que j'avais quand même le lead d'attaque. Petit carreau, ok, petite étincelle, hein, on prend. Et on peut en invoquer plusieurs. Ah bah oui, bien sûr, il faut les points quoi. Tant que t'as les points, tu peux invoquer. Imagine si Mercer demande de racheter le jeu, imagine. Merci LXPS pour ton follow. Merci beaucoup. Not afraid to close my eyes. Je pense que je vais partir Comtesse là du coup. J'ai rien en disper, du coup je m'en fous de la. Je vais faire ça alors. Lui il est en violent, donc la Joséphine, je m'en bats les couilles. T'es obligé de rester sur la page de jeu pour gagner des points, juste dans mon chat. Vraiment juste sur le live. Mais il n'y a pas besoin d'être sur le site si c'est la question. Je vais garder le skill 2. On n'a pas eu Macha. Évidemment qu'on n'a pas eu Macha. Bon. Je pense que la Tiana va prendre cher alors. Yep. Mais c'est pas grave, je pense qu'on est fine quand même. Copium. Je vais aider ce Monsal le plus vite possible, je pense. Ok. Il n'a pas eu la provoque, ça c'est bien. Je vais continuer à la macha, je pense. Tenter de la dismount là-dessus. On la dismount pas, elle est très tanky en vrai. On la dismount, ça c'est bien. C'est chiant ça par contre. C'est très relou ça. Un peu heal, mais je pense que Xiangpeng il est un peu finito. Continue, hein. Ok, ça c'est bien par contre. Ok. Là, je mets tout sur Joséphine du coup. Il y a un moment où je la tue. Ok, ça meurt là sur un crit. Là, on est bien. YOLO! Mais le problème, c'est les artefacts, ils sont pas incroyables, quoi. Là, c'est un proc attaque, deux proc crit damage. En vrai, ça va encore, tu vois, mais... Sur celui-là, il est un peu... Pff, bof. Vas-y, on Lucian, hein. Vas-y, Lucian, hein. Go. Je pense que je banne ça, du coup. De 1 cm à la suite. Il faudrait vraiment qu'on essaye d'avoir des probas progressives. Au sens, son STB a l'air si bas, T1. Ouais, c'est pas si rapide. Hein. Comparé à des 300 et quelques speeds.
Ok, je fais ça comme ça. Il faut quand même que je prenne le speed au cas où c'est quand même rapide en face. Les ragdolls sont sortis ce soir? Ah mais tout le temps. Les ragdolls sont tout le temps de sortie hein, pour le coup. Est-ce que je peux quand même faire ça en vrai? Parce que là ça cut là mais c'est pas grave non? Parce que je pense qu'ils me font rien sur mon... Ah si putain je suis con. Pourquoi je fais ça? Je suis con. Je suis complètement débile. Pourquoi je fais ça moi? J'ai voulu tenter un truc, ok? J'ai voulu tenter un truc. Et Blue Kay, merci pour ton follow. J'espère que tu vas bien. Je viens de finir mes examens à 30 minutes. Incroyable. C'était ton dernier? Est-ce que c'était ton dernier? Je vais refaire pareil. Sauf que cette fois-ci, je ferai pas le con. Hein. Je ferai pas le con cette fois-ci. Est-ce qu'il fait le même ban? C'est ça la question aussi. Est-ce qu'il fait le même ban? Je pense pas qu'il fasse le même ban. J'ai quand même laissé la Juno parce qu'en général, les Juno, je finis par les gérer au final. Là, juste à tuer ça et Lucien derrière, ça devrait le faire normalement. Je viens de drop un A5 Athènes d'Arc, je sais pas trop quoi en penser. Qui ça? Yo Edwin, comment tu vas? En vrai, là, s'il a Shizuka Cut, on est d'accord. Non, en fait, j'ai pas risqué, je vais faire des skills. Là. C'est quoi? Arrête de risquer des trucs qui servent à rien. Fais juste ça comme ça. Tranquillement, dans un premier temps. Alors tu m'as emote? Alors tu m'as emote? Bah elle est où ta team? J'ai envie de jouer genre Kaki là. J'ai envie de voir si ça marche Kaki ici. Je pense pas que Kaki a les dégâts. Mais j'ai envie de tester. Parce que lui il est bien runé en vrai, parce qu'on peut critiquer son gameplay, mais il est quand même très haut tout le temps, donc il a quand même des grosses runes. Et donc je pense pas que ça suffise. J'ai clairement enlevé le lead de 44% HP, je pense. Ah ben Angoki, j'avoue que j'aurai les dégâts, ouais. Angoki, tous les jours, je clive là. Hein. Vraiment. Alors c'est vraiment Kaki en mieux, Angoki, littéralement. Je pense que j'ai pris un lead def pour les dégâts de mon Kaki. Alors, je pense que je prends quand même lead attaque, hein. Il a pas de Léo donc Mathéna va faire mal quand même T2. Ouais je pense que j'ai quand même lead attaque là. Attaque fond. Ça me donnera quand même plus de dégâts que la défense pour les dégâts du Kaki. Après la tankiness c'est cool hein, mais je sais pas. Et le skill 2 de Bastet T2 va faire mal aussi. Parce que j'aurai un skill 2 Bastet sous buff attaque, donc normalement le Douglas, je vais le full debuff. J'aimerais bien avoir au moins une fois le Douglas, ce serait cool. Et au moins deux fois le reste. En vrai, même une fois le reste, c'est suffisant, je pense. Ah, j'ai eu 0 fois la Molly. C'est très chiant du coup. Le 0 fois, il fait un peu mal quand même. En plus de heal une fois un monstre, il shield un autre quoi. Oh c'est casse-couille putain. Normalement ça tue le Kinky. Oh j'ai rien mis sur lui. Arrête.
N'importe quoi. Ok, je l'ai ridé de CD. Faut que je réduis 4 dB ça. J'aurais quand même tenté, je pense, à sa place, non? Parce que Shizuka, c'est un sacré monstre aussi. En fait, ce que je me dis, c'est que Shizuka plus Kinki. Tu vois, si tu ramènes le Kinki à la vie, il a plus de passif. Ouais, il lag en plus. J'avoue qu'en plus, il lag, donc c'est assez grave. Hein. Et j'avoue qu'on est monté assez haut. On est 45e là, de l'univers. Hein. Ah, par contre, mon winrate au début était vraiment, vraiment pas bon, quoi.